Bonsoir à vous, chers frères et sœurs, et bienvenue, n'est-ce pas, sur la chaîne Réveil TV, chaîne locale dans la ville de Port-Gentil, dans le but, n'est-ce pas, de chaîne mise en place dans le but, n'est-ce pas, de gagner les âmes pour le Seigneur et, n'est-ce pas, d'encourager ses fils et filles dans la province. Nous vous disons merci d'être connectés à ce nouveau programme, n'est-ce pas, initié et pensé par le Seigneur, consacré à la jeunesse. Donc actuellement là, vous suivez le nouveau programme intitulé Une jeunesse selon le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, d'avoir initié cette émission pour la jeunesse, parce que nous avons réalisé que aucun réveil, que ce soit d'une nation, d'une ville ou d'un pays, ne peut se faire sans la jeunesse. Donc il a été trouvé important pour nous, n'est-ce pas, d'encourager cette jeunesse-là à non seulement servir le Seigneur, mais à être un témoignage pour le Seigneur dans cette ville. Moi, je suis le frère Christian, je suis accompagné de mon frère Standy. Standy, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Merci. Donc, au cours de ce partage, n'est-ce pas, nous voulons encourager les jeunes. Nous voulons encourager ces jeunes-là qui s'efforcent à servir le Seigneur, mais pas comme le Seigneur veut. Donc, sans toutefois tarder, nous allons, n'est-ce pas, présenter ces moments au Seigneur afin que le Seigneur, n'est-ce pas, nous conduise à vous donner ce que lui nous a donné, sans crainte, que, n'est-ce pas, nous vous donnons l'essentiel, en fait. Notre souhait est que la jeunesse, n'est-ce pas, de Port-Gentil puisse recevoir du Seigneur l'essentiel pour avoir une vie bâtie, une vie, n'est-ce pas, encouragée. Donc, nous allons remettre ces moments au Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments, Père. Cette soirée, Seigneur, éternel mon Dieu, tu vois la soif de la jeunesse. Nous prions, Papa, pour tu vois le jeunesse. Besoin de la jeunesse, Père. Nous prions que tu te révèles à nous elle. Nous prions que tu nous conduises. Seigneur, on a tant besoin de toi. Nous prions Jésus. Que les paroles dont tu nous donneras, Papa, puissent toucher les cœurs. Les paroles qui que les paroles, Seigneur, qui seront dites ce soir, puissent encourager une âme, puissent sauver une vie, pour encourager un frère, une sœur, Seigneur. Et nous voulons ce soir que durant ces moments encore, tu puisses te révéler, tu puisses utiliser les paroles pour répondre à des questions, Papa. Merci pour ta Seigneurie. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole qui nous fortifie. Nous sommes des faibles hommes, Jésus. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole qui nous garde, qui nous remplit de ton esprit, qui nous donne de comment marcher, Seigneur, durant ces moments, sur cette terre, Seigneur. Que ton nom, n'est-ce pas, soit béni. Seigneur, sur toi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, comme nous le disions, nous sommes là, n'est-ce pas, ce soir pour encourager la jeunesse. Parce que nous avons constaté déjà que, support gentil, il est très difficile, n'est-ce pas, de parler du Seigneur à un jeune sans qu'il ne vous dise « moi je prie, moi je persévère dans telle assemblée ». Et le Seigneur a trouvé bon, n'est-ce pas, de dire à cette jeunesse de comment et pourquoi ils doivent le servir. Donc, nous avons pour thème ce soir, l'obéissance dans la vie d'un jeune. Nous avons trouvé qu'il est bon pour ce programme, pour cette première, n'est-ce pas, de parler de l'obéissance à la jeunesse. Parce que c'est très important, l'obéissance dans la vie d'un jeune. Et quelle catégorie de jeunesse nous voulons parler ce soir? Nous voulons parler à ceux-là qui sont sous la tutelle de leurs parents, ceux-là qui habitent chez des oncles, chez des tantes, chez les grands frères, ceux-là qui dépendent entièrement, n'est-ce pas, des aînés, des parents. Donc, c'est à ceux-là que nous voulons parler. Avant, n'est-ce pas, de prendre notre texte de base, nous allons voir un peu la conséquence, n'est-ce pas, de la désobéissance de notre Père à tout ce qui est Adam. Nous allons, n'est-ce pas, prendre nos livres, nos Bibles dans Genèse 3, versets 16 à 20. Nous verrons, n'est-ce pas, ensemble, les dégâts de la désobéissance. Genèse 3, 16 à 20. La Bible dit, il dit à la femme, c'est-à-dire le Seigneur dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je vais le dire dans ma version ici.
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. N'est-ce pas, nous voyons ici les conséquences de la désobéissance d'Adam. Et ces conséquences pèsent jusqu'à ce jour, ces conséquences pèsent sur nous. La difficulté de la vie, la dureté du savoir, la dureté du travail, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour grandir. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et ces choses, cette difficulté trouve, n'est-ce pas, leur origine dans la désobéissance d'Adam. C'est pourquoi nous avons trouvé bon de parler à cette jeunesse-là de l'obéissance. Parce que beaucoup, s'ils ne veillent pas, s'ils n'obéissent pas, n'est-ce pas, auront des conséquences aussi vraiment, on peut dire, irréparables dans leur vie future. Donc, nous allons prendre notre texte de base pour pouvoir, n'est-ce pas, interpeller cette jeunesse à l'obéissance. Nous allons prendre Matthieu 16, 21 à 23. Matthieu 21 à 23. Je vais lire. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Très souvent, ce passage-là, on l'a collé, n'est-ce pas? On a collé ce passage-là aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres. On a collé ce passage à ceux-là qui enseignent la parole et on a mis de côté la jeunesse. Mais la Bible nous dit que chacun rendra compte de ses actes, chacun rendra compte un jour au Seigneur, y compris cette jeunesse. Dans ce passage-là, la jeunesse s'y trouve à l'intérieur. Peu importe le niveau de jeunesse, n'est-ce pas? Ce passage-là s'adresse à tout. À tous ceux-là qui veulent servir le Seigneur, à tous ceux-là qui, n'est-ce pas, vont dans des églises. Et aujourd'hui, quand on parcourt les rues de Port-Gentil le dimanche, on est quand même très surpris de voir qu'un grand nombre de jeunes, surtout ceux-là qui sont sous la tutelle des parents, un grand nombre de jeunes partent dans des églises, fréquentent des églises, sont dans des groupes de chorale, sont dans des groupes de protocole et tout cela. Beaucoup des jeunes vont à l'église. Mais ce passage-là, beaucoup ne se sont pas sentis interpellés. Mais aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, que cette jeunesse-là, dont papa prend soin, maman prend soin, nous voulons vous dire que ce passage aussi s'adresse à vous. Que ce passage, n'est-ce pas, s'adresse à vous. Et la question que nous devons nous poser est de savoir comment se traduit, n'est-ce pas, l'obéissance au Seigneur, selon qu'il a dit, c'est ceux qui feront la volonté du Père qui lui seront agréables. En tant que jeunes, nous devons nous poser cette question-là. Parce que les exigences du Seigneur d'un enfant, par exemple, de 25 ans, ne sont pas les mêmes pour un enfant de 12 ans, ne sont pas les mêmes pour un enfant de 14 ans. Donc, il est important pour nous ici d'attirer, n'est-ce pas, d'attirer l'attention de ces jeunes-là qui sont sous la tutelle des parents à vraiment faire la volonté du Père, comme Yeshua le dit. Parce qu'ils fréquentent déjà des assemblées. S'ils fréquentent des assemblées, ils sont censés obéir au Père. Ils sont censés faire la volonté du Seigneur. Et beaucoup d'entre eux ne savent même pas dans quoi le Seigneur les attend en termes d'obéissance. Beaucoup ne savent pas. Quoique ce passage s'adresse à eux, beaucoup ne le savent pas. Donc nous allons, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, répondre à cette question-là. Comment se traduit l'obéissance des jeunes, selon le Seigneur? Ces jeunes-là qui sont dans les maisons, avec les parents, avec les oncles et tantes, comment se manifeste cette obéissance? Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Qu'est-ce qu'ils sont censés connaître
pour, n'est-ce pas, servir le Seigneur dans leur jeune âge. La Bible va nous parler de Samuel. Samuel a commencé à servir le jeûneur très jeune, très très jeune. La Bible va nous parler de Daniel. Ces hommes qui ont marqué leur époque ont commencé à servir le Seigneur très jeune. Ils fréquentaient le temple et ils savaient ce que le Seigneur attendait d'eux. Donc par la grâce du Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, prendre un certain nombre de versets qui, n'est-ce pas, nous orientent, donnent des orientations à ces jeunes-là de comment est-ce qu'ils doivent être obéissants selon le Seigneur, selon leur âge, selon leur rang social. Nous allons prendre Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. La parole dit. Exode 20, verset 12. Honore ton père. Oui, je cherche. Vas-y, mon frère, si tu peux lire. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que Yahweh ton Dieu te donne. Amen. Amen. Nous voyons ici une ordonnance que le Seigneur a donnée et que beaucoup, n'est-ce pas, regroupent cela parfois en ce qui concerne le mariage. Mais non, mes frères. Chers petits frères et petites sœurs, quand le Seigneur nous demande d'honorer les parents, il s'agit d'obéir aux parents. Il s'agit de les respecter, se conformer à leurs ordonnances à eux. Parce que nos parents veulent du bien de leurs enfants. Vous avez des maisons où les enfants se lèvent le matin, vont à l'école sans avoir fait, sans faire des tâches ménagères en fait. Vous avez des jeunes de nos jours qui fréquentent des assemblées, mais leur chambre est désordonnée. Vous ne pouvez pas entrer dans leur chambre. Vous ne pouvez même pas visiter leur chambre, tellement du désordre. Pourtant, ils sont dans des assemblées. Pourtant, ils disent « Seigneur, Seigneur » tout le temps. Pourtant, ils prient. Vous avez des jeunes qui aujourd'hui n'assistent plus leur maman, même à la cuisine, ne veulent plus rien apprendre des parents. Ils ne veulent plus rien comprendre des parents. Vous avez des jeunes qui aujourd'hui, si 20h30 ou 21h, 22h, 23h ne sonnent pas, ils ne sont pas à la maison. Et par la grâce du Seigneur, nous vous disons aujourd'hui, vous ne faites pas bien selon le Seigneur. Vous n'obéissez pas au Père, mais vous êtes ceux-là qui disent « Seigneur, Seigneur, mais l'obéissance dont le Seigneur attend de vous ». Vous ne le faites pas. Vous avez des jeunes qui aujourd'hui à l'école n'étudient plus leurs leçons, ne font plus d'efforts et s'appuient sur des relations qu'ils peuvent entretenir avec des professeurs, ça et là, pour avoir des notes. Mes frères et sœurs, nous vous disons, ce n'est pas ce que le Seigneur veut de vous. Vous avez des jeunes qui aujourd'hui sont incapables de prendre soin de leurs petits frères quand les parents sont absents. C'est les parents qui doivent rentrer du travail tard après être fatigués, s'occuper encore de leurs petits frères, leur faire même à manger. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. En tant que jeunes, nous sommes censés être aussi un support sur lequel les parents s'appuient. Nous sommes censés être ceux-là en qui les parents doivent faire confiance, même en cas d'absence. Beaucoup de jeunes que vous trouvez dans la rue aujourd'hui, quand vous regardez même les tenues pour aller à l'école, vous comprenez qu'ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Pourtant, ils visitent des assemblées. Si la jupe de la petite sœur ne traverse pas ses genoux, non, c'est qu'elle n'est pas conforme. La plupart font ce qu'ils pensent, en fait. Ils se disent avoir la maîtrise des choses. Ils refusent d'écouter les parents. C'est très triste de voir un parent qui, le week-end, se voit en train de payer des personnes pour venir faire la lessive à la maison. Pourtant, la jeunesse, elle est là. Pourtant, les enfants, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils lisent leur Bible, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ça amène à se poser la question, est-ce qu'ils connaissent réellement le Seigneur? Pourquoi les dimanches sont-ils dans les assemblées? Le but pour nous ici n'est pas de condamner qui que ce soit, mais c'est d'encourager ces jeunes-là. Sachez que quand le Seigneur dit « Ceux qui font la volonté de mon Père, en tant que jeunes, le Seigneur attend qu'on soit obéissant à nos parents. Le Seigneur attend qu'on soit obéissant aux oncles, aux tantes. Le Seigneur attend qu'on soit respectueux vis-à-vis de nos enseignants. Le Seigneur attend qu'on ne marche pas avec des personnes de mauvaise vie. » Beaucoup d'enfants, quand vous les écoutez dans des écoles, ils sont fiers de leurs parents, hein.
Non, mon père paye l'école, mon père nous nourrit, il fait ceci. Oui, mais la question que moi je veux te poser, toi qui nous regardes aujourd'hui, est-ce que papa peut donner un tel témoignage de toi? Est-ce que papa à son bureau peut dire oui, j'ai un fils, j'ai une fille qui m'écoute? J'ai un fils, j'ai une fille qui obéit à ce que je dis. Vous avez des jeunes qui le matin se lèvent, se brossent les dents, mettent la tenue et vont à l'école. Pourtant, le sol de la maison est sale. La maison, elle est sale. Les assiettes sont sales. Parfois, c'est maman qui est obligée de rentrer du travail. Fait la lessive. Laver les assiettes, et, laver les assiettes, réparer, ranger les choses dans la chambre. Pourtant, les enfants sont là. Et quand nous parlons des jeunes, c'est comme je vous ai dit, ceux qui ont déjà atteint l'âge de l'adolescence, ceux qui savent quand même ce qui est bien et ce qui est mal. Mais beaucoup font ce qui est mal. Et quand vous faites ainsi, vous n'êtes pas agréable au Seigneur. Quand vous faites ainsi, les dimanches, à la chorale, quand vous chantez, le Seigneur ne prend pas plaisir à cela. Il faut que vous le sachiez. Que l'obéissance aux parents est capitale dans la vie d'un jeune. C'est derrière l'obéissance aux parents que l'on progresse dans la vie. C'est derrière l'obéissance aux parents qu'on parvient à être brave à l'école. C'est dans l'obéissance aux parents qu'on parvient à concrétiser parfois ses rêves. Il y en a beaucoup parmi vous qui aimeraient être pilote, qui aimeraient être ingénieur, qui aimeraient être agronome, qui aimeraient faire des choses grandioses dans leur avenir. Mais nous vous faisons comprendre que si vous ne prenez pas conscience que c'est dans l'obéissance que cela est possible, les amis, vous ne pourrez pas accomplir vos rêves, vous ne pourrez pas accomplir ce dont vous avez envie. Parce que la jeunesse, c'est le lendemain, c'est vous. Si aujourd'hui, vous ne vous appliquez pas selon le commandement du Seigneur, comment sera le lendemain? Si aujourd'hui, vous avez du mal à vous lever le matin, faire une tâche ménagère avant d'aller à l'école, comment ferez-vous quand vous serez chez vous, quand vous serez à l'université dans votre chambre? Comment vous allez faire? Ce que beaucoup d'enfants oublient, c'est que les instructions dont les parents leur donnent sont comme un soubassement pour leur vie future. Beaucoup d'entre nous, nous oublions cela. Mais la parole du Seigneur nous fait comprendre. Et vous comprenez même que le commandement que le Seigneur donne a une promesse derrière. Il est important pour nous jeunes. Il est important d'être obéissant à nos parents, de supporter nos parents, d'accepter leurs instructions. Même s'ils nous grondent, même si nous faisons mal et qu'ils nous grondent, efforçons-nous toujours à faire ce qu'ils demandent de nous, ce qu'ils attendent de nous. Beaucoup de nos parents, beaucoup des parents support gentils, quand vous entendez, vous les entendez, n'est-ce pas, parler de leurs enfants, vous avez très mal au cœur. Vous comprenez comment le parent, lui, il est brisé à cause du comportement de ses enfants. Les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont à l'école, ils font des détours dans des bars quartiers pour prendre des stupéfiants. Mais dimanche, ils sont quand même à la chorale pour chanter. Mais dimanche, ils sont quand même à l'église pour dire, Seigneur, on prie, on crie à toi. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de vous. Le Seigneur attend de vous l'obéissance. Vous qui êtes à 14 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, vous qui êtes encore dans la maison des parents, nous vous exhortons, nous vous encourageons à obéir à vos parents. C'est ce que le Seigneur attend de vous pour votre âge. C'est ce que le Seigneur veut de vous concernant votre niveau social. Vous devez obéir aux parents. C'est important. Vous devez obéir aux parents. On va prendre un autre passage, n'est-ce pas? Un autre passage qui, n'est-ce pas, nous aidera à comprendre comment la jeunesse est censée servir le Seigneur. Nous allons prendre Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Si tu trouves le passage, vite, en fait, tu peux lire Romains 12, 1 à 2. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande, nous jeunes, vous jeunes, de ne pas se conformer au monde. C'est ainsi que nous ferions la volonté du Père. Si vous vous souvenez, dans Matthieu 7, là-bas que nous avons lu, le Seigneur dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont agréables. Et le Seigneur ici dit à la jeunesse de ne pas se conformer au monde. C'est quoi se conformer au monde? C'est vivre selon ce que le monde dit. Aujourd'hui,
Si nos jeunes, nos petites sœurs ne s'habillent pas de façon serrée à mettre le corps dehors, ils ne seront pas, ils se disent que non, ils ne vivent pas. Ils se disent que non, ce n'est pas comme ça qu'ils doivent vivre. Si nos petites sœurs ne s'habillent pas de façon déviante, de façon impudique, pour eux, ils n'existent pas. Mais non, le Seigneur dit de ne pas se conformer au monde. Se conformer au monde, c'est mettre les boucles à l'oreille pour les jeunes garçons, se passer pour des filles. Se conformer au monde, n'est-ce pas, c'est prendre des stupéfiants, disant non, nous voulons planer, nous voulons, n'est-ce pas, ressentir d'autres plaisirs, mais non. La jeunesse ne doit pas se conformer au monde. Elle est censée se conformer aux Écritures. Se conformer au monde, c'est rentrer à 20h, 20h30, 21h, pour des enfants de 15, 16, 17 ans. Se conformer au monde, c'est manquer du respect aux enseignants, faisant croire à ses amis en classe que oui, l'enseignant ne peut pas me parler comme il veut. Mais frères et sœurs, nous vous disons que en vivant ainsi, vous êtes en horreur à l'Éternel. En vivant ainsi, le Seigneur ne prend pas plaisir. Le Seigneur n'est pas du tout d'accord. Se conformer au monde, c'est respecter l'oncle parce qu'il a l'argent. Non. Que l'oncle ait l'argent ou pas, en tant que fils d'Élohim, en tant qu'enfant qui va à l'église pour prier, comme nous voyons beaucoup d'entre nos jeunes faire, ce n'est pas à cause des moyens de l'oncle que nous devons le respecter, non. La Bible nous demande de respecter les aînés, de respecter les oncles, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ne font cela que s'ils voient des moyens financiers, mais non. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Nous vous encourageons à ne pas vous conformer au monde, à ne pas faire ce dont le monde demande. Beaucoup d'enfants ont du mal aujourd'hui à lire leurs leçons. Le soir, c'est novelas. Des séries qui n'apportent rien. Au contraire, qui suscitent des pensées démoniaques aux humains. Il y a des enfants qui mettent la pression à leurs parents de payer des chaînes parce qu'ils sont attachés à ces choses. Mais c'est le monde de ces choses-là. Ces choses-là ne nous instruisent pas. Elles ne nous apportent rien. Elles ne nous apportent que dégâts, colère. Nous vous encourageons à ne pas vous conformer au monde. C'est en cela, c'est ainsi que vous servirez le Seigneur. C'est dans ce sens-là, en fait. Puisque la question était de savoir comment doit se traduire l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. C'est en refusant la conformité du monde. C'est en refusant de marcher avec les mauvais amis. C'est en refusant de marcher avec ceux-là qui prônent la corruption. C'est en refusant de marcher avec nos amis qui ne prennent pas plaisir à la loi de Yahweh. Nous parlons ainsi à cette jeunesse-là. Nous vous supplions de revenir au Seigneur, de prendre conscience. Parce que si la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas bâtie sur le roc qui est Jésus, comment sera le lendemain? Si le Seigneur n'avait pas bâti la vie des jeunes par le passé, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas cette parole-là. C'est qu'aujourd'hui, l'héritage que le Seigneur a laissé, qui est sa parole, ne devait pas nous être transmis. C'est vous la relève du lendemain. Mais vous ne pouvez être cette relève-là que dans l'obéissance. Vous ne pouvez être ceux-là sur qui le Seigneur compte que dans l'obéissance. Nous croyons qu'au milieu de vous, il y a des personnes telles que Samuel, telles que Daniel, telles que Jérémie, ces jeunes-là qui vivent selon la conformité du Seigneur et non du monde. Nous vous encourageons à obéir aux parents. Nous vous encourageons à vous soumettre à ce que le Père dit. Le Père est le chef de la maison. Si vous voulez un avenir meilleur, si vous voulez un lendemain prospère, si vous voulez un lendemain rempli de la gloire du Seigneur, il est important que vous obéissiez au Seigneur. Ce n'est pas en chantant dans une chorale, ce n'est pas en criant tous les jours « Seigneur, Seigneur », pourtant vous n'obéissez pas aux parents, que vous pouvez être agréable, n'est-ce pas, au Seigneur. Par là, nous allons ensuite, n'est-ce pas, répondre, puisque nous avons préparé une série de questions, dans le but que la jeunesse s'interroge, dans le but que la jeunesse et nous puissions s'interroger sur les attentes du Seigneur et, au travers de la parole, accepter ces solutions. La question suivante est de savoir, qu'est-ce que nous gagnons en étant obéissants? Parce que vous qui nous suivez, sachez que l'obéissance a un prix. Sachez que l'obéissance a une récompense derrière. Parce que vous obéissez au Seigneur, le Seigneur vous fera aussi du bien. Nous allons prendre 1 Jean
1 Jean 3, 22. Et nous allons voir l'une des récompenses, en fait, ou l'un des avantages d'être obéissant. 1 Jean 3, si tu peux lire, mon frère. 1 Jean 3, verset 22. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Amen. Amen. Vous avez écouté tout comme moi. Le Seigneur dit, parce qu'on l'aura obéi, pour entrer plus en détail, parce qu'on aura obéi à nos parents, nous qui sommes sous la tutelle des parents, ce que nous demanderions au Seigneur, il nous le donnera. Beaucoup d'entre vous aimeraient sortir de la difficulté dans laquelle ils vivent. Beaucoup aimeraient avoir une vie épanouie. Mais c'est dans le Seigneur que vous pouvez l'avoir. C'est en obéissant aux parents que vous pourriez, à votre tour, demander des choses au Seigneur et il vous le donnera. La Bible dit qu'il est fidèle dans ses paroles. Et il le dit, parce que vous m'auriez obéi, parce que vous auriez fait mon commandement, alors ce que vous me demanderez, je vous le donnerai. Je vous le donnerai. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient voir leur famille être unie. Il y a beaucoup de jeunes qui, dans leur maison, il n'y a pas la paix entre le père et la mère. Ils le voient. Mais c'est dans l'obéissance que le Seigneur peut restaurer même vos familles. C'est dans l'obéissance que le Seigneur peut restaurer non seulement votre vie, mais la vie aussi de tous ceux qui sont autour de vous, de tous ceux qui vous entourent. C'est dans l'obéissance qu'à l'école, on pourra réaliser que oui, le Seigneur est dans la vie de tels jeunes. C'est dans l'obéissance que vous aurez des bonnes notes à l'école. Parce que beaucoup d'enfants, quand le père dit « apprends », ils voient ça comme, ils voient ça comme des problèmes. Mais le père vous dit, papa vous dit d'apprendre, c'est dans le but d'avoir des bonnes notes. Et en obéissant à papa ainsi, vous faites non seulement ce que le Seigneur a dit, et aussi vous aurez une récompense derrière. À la fin d'année, vous irez en classe supérieure parce que vous auriez obéi au Seigneur. Parce que vous auriez fait ce que le Seigneur attend de vous selon votre âge. Nous vous encourageons, n'est-ce pas? Tous ceux-là qui fréquentent des assemblées, tous ces jeunes-là, nous vous encourageons vraiment à prendre conscience de votre état, à regarder à votre vie. Est-ce que vos parents peuvent témoigner de vous? Est-ce que vos parents peuvent parler de vous avec fierté? Est-ce que vos parents peuvent se vanter d'avoir de tels fils, de telles filles? Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on arrive au point où le père, quand il regarde son enfant, il se dit « Seigneur, tu existes ». Parce que cet enfant-ci, il ne marche pas comme les autres marchent. Il marche comme toi, tu le dis. Il faut qu'on en arrive là. On va prendre un autre texte. Le texte de Proverbe 20. Proverbe 15, verset 20, mon frère. Si tu peux trouver le lit. Proverbe 15, verset 20. Nous vous encourageons vivement, frères et sœurs, vivement à revenir à l'obéissance. Proverbe 15, verset 20. Un fils sage réjouit son père et un homme insensé méprise sa mère. Amen. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et c'est des choses que nous vivons. Un fils sage fait la joie de son père. C'est quoi cette sagesse-là? La Bible nous dit la sagesse, c'est la crainte d'Elohim. Si vous craignez Elohim, vous devez respecter vos parents. Si vous craignez Elohim, vous devez être obéissant. Cette sagesse-là, en ce qui concerne les adolescents, c'est l'obéissance aux parents. Il faut que les parents témoignent de nous. Il faut que les parents témoignent de vous, que ton papa témoigne de toi, que ton papa dise oui, ça c'est un fils, ça c'est une fille. Il le faut, mais pour ça il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Accepter la tenue à la rentrée que papa te donne. Vous, nos petites sœurs, arrêtez de modifier vos robes, vos jupes pour mettre tous vos cuisses dehors. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Arrêtez de tisser des relations avec les enseignants pour avoir des notes. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. En agissant ainsi, vous ne faites pas plaisir à vos parents. Et les conséquences vous rattraperont toujours. Nous avons l'histoire de Samson dans la Bible qui n'a pas voulu écouter ses parents. Et nous avons vu comment il a fini. Frères et sœurs, l'obéissance aux parents est capitale. Le Seigneur utilise les parents, n'est-ce pas, pour nous préparer un avenir meilleur. Le Seigneur utilise les parents pour nous façonner, pour nous discipliner. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 18 ans aujourd'hui manque de discipline. Ce n'est pas normal. Et dimanche, il est à l'église et il parle même du Seigneur.
Nous vous encourageons à sortir de là. Voici les vacances qui sont arrivées. Très peu d'enfants se disent, comment puis-je faire pour aider mes parents à la rentrée scolaire? Comment puis-je faire pour apporter du soutien à mon père, à ma mère à la rentrée scolaire? Très peu se disent, je peux avoir un stage quelque part rémunéré. Très peu se disent, je peux faire de tels commerces, je peux faire de telles activités pour soutenir aussi les parents. Et en agissant ainsi, vous faites la fierté de vos parents. En agissant ainsi, vos parents sont fiers d'eux. Très peu d'enfants aujourd'hui préparent parce que papa et maman sont au travail et vont rentrer tard. Très peu d'enfants connaissent faire la cuisine. C'est triste quand nous voyons cela. Ça fait vraiment mal. Comment tu feras à l'université? Quand papa et maman vont au marché, il faut les accompagner. Il faut voir comment ils font. Il faut se laisser enseigner par eux. Ils veulent votre bien. Ils veulent que vous progressiez. Mais si vous refusez d'obéir, si vous refusez de les suivre, comment feriez-vous demain? Qu'est-ce que vous pourriez bâtir demain? Vous auriez bâti sur du sable, comme le Seigneur le dit. Nous vous encourageons à apprendre de vos parents. Apprendre de ses parents, c'est obéir aux parents. Il y a des enfants dont, quand vous voyez leur attitude et que vous connaissez leur père, vous êtes capable de dire, c'est l'enfant de tel. Parce qu'il a obéi à son père, parce qu'il fait comme son père. La jeunesse doit obéir aux parents. La jeunesse doit respecter les parents. La jeunesse doit être obéissante à l'école. Vous avez des enfants dont les parents ont longtemps interpellé par rapport à se réveiller le matin pour aller à l'école. S'il n'est pas 7h30, il ne se réveille pas. Et quand il se réveille, c'est vite fait, je mets mon habit, je m'en vais. Les assiettes sales. Il y a des enfants il y a des parents qui se voient obligés de prendre la ménagère les week-ends pour laver leurs habits, pour repasser. Que fait l'enfant qui est là? Que fait le jeune qui est là? Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Beaucoup sont plongés dans les réseaux sociaux. Mes frères, sachez que les réseaux sociaux ont un côté négatif dont les conséquences sont vraiment terribles, horribles. Quand vous voyez la jeunesse aller à l'école le matin, c'est le téléphone en main. Ce n'est même pas les cours qu'ils suivent au travers d'Internet. Des messages impudiques, des messages qui n'apportent rien. Le téléphone ne t'amènera pas au ciel. WhatsApp ne pourra pas t'amener au ciel, mon ami. Facebook ne pourra rien te donner si ce n'est que te distraire, si ce n'est que t'amener dans des choses dont l'Éternel a horreur de cela. Nous vous encourageons à faire la fierté de vos parents. Nous vous encourageons à faire la fierté de votre famille. Nous vous encourageons à faire la fierté de vos grands frères. Un parent absent doit compter sur ses enfants, sur l'aîné, pour garder les petits frères. Mais ce n'est pas le cas de nos jours. Ce n'est pas le cas. La jeunesse est plongée dans les stupéfiants. La jeunesse est... On a l'impression que le lendemain sera l'enfer pour nos enfants. Si la jeunesse ne suit pas, si la jeunesse ne se conformise pas aux Écritures, comment ferions-nous demain? Que dirions-nous de nos enfants demain? Nous vous encourageons. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Non, le Seigneur n'est pas mort à la croix pour nous condamner. Le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que nous soyons condamnés. Non, il est mort pour que nous ayons déjà le pardon de nos péchés et ensuite la vie éternelle. Nous vous encourageons à vraiment chercher le Seigneur, à obéir aux parents. Nous vous encourageons à faire les tâches ménagères à la maison. Ça fait plaisir aux parents. C'est ce que le Seigneur attend de vous pour votre âge. Nous vous encourageons à nettoyer même la lourde pour tout de la maison. Il y a des maisons où vous arrivez, vous voyez l'âge des enfants, vous voyez l'âge des jeunes qui sont là, mais le père est obligé de payer un tondeur pour venir enlever l'herbe autour de la maison. Non, les amis. Et dimanche, vous irez à la courage et dites non. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas ça. Vous deviez être capable d'anticiper les besoins des parents. Vous pouvez anticiper. Un parent peut avoir une réunion dimanche, il n'a pas la chaussure pour porter. Vous connaissez son programme. Vous pouvez nettoyer sa chaussure. Oui, papa, j'ai préparé ça pour toi parce que je sais que tu as telle réunion, je sais que tu as tel rendez-vous. Les parents attendent ça de nous. Comment voulez-vous être béni par vos parents si vous n'obéissez pas? Comment voulez-vous un avenir meilleur si vous n'obéissez pas? Nous vous encourageons, n'est-ce pas, à obéir. Nous vous encourageons. Vous aurez tellement de bonnes choses qui arriveront dans votre vie parce que vous aurez obéi. Le Seigneur dit, ce qu'ils me demanderont, je les donnerai parce qu'ils ont obéi à ma parole.
Et en tant qu'adolescent aujourd'hui, en tant que jeune sous la tutelle de l'oncle, du père, de la mère, du grand frère, le Seigneur attend de vous une obéissance aux parents, une obéissance véritable. Vous avez des enfants qui boudent quand le père demande quelque chose, de l'eau à boire et tout ça. Il boude parce qu'il est devant la télé sur Novelas. Non, tu ne peux pas bouder et prier après. Le Seigneur ne prend pas plaisir à de telles attitudes. Il faut revenir à l'obéissance. Il faut obéir aux parents. Nous avons, n'est-ce pas, voulu parler de l'obéissance pour, sur ce programme nouveau parce que c'est capital pour la réussite d'un jeune. Demain, nous aurons besoin des magistrats, nous aurons besoin des procureurs, nous aurons besoin des hommes en tenue, nous aurons besoin des personnes qui vivent la justice d'Élohim. Et c'est vous qui le serez, c'est vous qui sortirez magistrat, procureur, c'est vous. Mais si vous n'avez pas la loi du Seigneur dans vos cœurs, mais si vous n'avez pas l'obéissance que le Seigneur attend de vous, comment traiteriez-vous les affaires demain? Comment feriez-vous? Nous vous encourageons à venir au Seigneur. Nous vous encourageons, c'est bénéfique pour vous. La question était de savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour quelqu'un qui obéit. Le Seigneur dit, ce que tu demanderas, il te le donnera. Tes objectifs que tu veux atteindre, tu pourras les atteindre parce que tu auras été obéissant. Parce que dans la maison de ton père, on a témoigné de ton obéissance. On témoigne de ta grandeur. Parce que celui qui est grand, c'est celui qui obéit. Celui qui est grand selon le Seigneur, c'est celui qui obéit au Seigneur. En quoi à la maison? Si le petit frère est conscient, est plus obéissant que le grand frère. Vous verrez très souvent, papa va confier des tâches, des responsabilités au petit frère qui montre qu'il est grand. C'est vrai, il est le petit frère, mais parce qu'il obéit, il est grand. Donc, papa a confiance en lui. Donc, nous vous encourageons, nous vous encourageons, nous vous implorons, nous voulons que vous veniez au Seigneur. Parce que le lendemain vous appartient, parce que le lendemain, c'est vous. Le lendemain, c'est vous. Et il faut que vous bâtissiez votre lendemain sur Jésus. Et ce que Jésus attend de vous, nous le précisons encore, vous jeunes, vous sous la tutelle des parents, vous qui habitez avec un grand frère, une grande soeur, qui paye votre étude, ce que le Seigneur attend de vous, c'est l'obéissance, la soumission aux parents. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont devenus rebelles aux parents. Quand on vous dit rebelle, rebelle de chez rebelle. Il rentre à la maison comme il veut, il fait ce qu'il veut. Dans leur langage, tellement de mensonges, tellement de tromperies dans leur langage. Mais quand vous agissez ainsi, vous n'êtes pas plaisant au Seigneur. Pourtant, vous remplissez les assemblées. Pourtant, vous allez dans les assemblées. Pourtant, vous écoutez la parole du Seigneur le dimanche. Mais quand on regarde à vos vies, vous qui êtes nos petits frères, nos petites sœurs, quand on regarde comment vous agissez, nous sommes brisés. Nous sommes brisés parce que nous nous disons, mais Seigneur, comment le lendemain sera? Si aujourd'hui un enfant peut faire tête à son père, si aujourd'hui un enfant peut dire à son papa, excusez-moi du thème, je m'en fous, que dirons-nous du lendemain? Comment sera le lendemain? Ce programme-ci a été vraiment pensé et voulu par le Seigneur pour vous encourager, pour vous interpeller, pour vous amener à lui. Parce qu'il attend de vous aussi cela. Ce n'est pas seulement aux apôtres, aux prophètes qu'il dira « Je ne vous ai jamais connu ». Mais si vous ne faites pas la volonté qu'il attend de vous, l'obéissance, le Seigneur dira aussi ça de vous. Le Seigneur le dira. Nous vous encourageons vraiment à, n'est-ce pas, obéir, à, n'est-ce pas, suivre le Seigneur, à se donner au Seigneur. Sachez que vos parents veulent du bien de vous. Vos parents, quoi qu'ils ont peut-être une vie qui n'est même pas conforme au Seigneur, mais ils vous aiment. Parce que le Seigneur lui-même dit dans sa parole, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Ça veut dire, le père et la maman qui t'ont mis au monde, ils t'aiment. Ils veulent que tu avances. Ils veulent ton progrès. Voilà pourquoi ils veulent t'enseigner ce qu'ils ont appris de la vie. Parce que les amis, derrière l'obéissance, sachez qu'on apprend beaucoup. Ils ont une expérience de la vie que vous n'avez pas. Il y a des amis que papa t'a défendu de marcher avec. Il y a des camarades que papa t'a défendu, des copines que papa a dit « je ne veux plus te voir avec telle ». Mais toi, tu continues, toi, tu t'entêtes. Et quand tu t'entêtes, tu n'es plus sous la couverture du parent, tu n'es plus sous la couverture du père. Et là, tout peut arriver. J'ai dit « tout peut arriver ». Voici les vacances. Si vous posez les questions à nos petits frères, nos petites sœurs, qu'est-ce que tu feras pendant tes vacances? Ils n'ont même pas de vision, ils n'ont même pas de projet, ils n'ont rien prévu. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous vous encourageons, n'est-ce pas, vraiment à revenir au Seigneur. Nous vous exhortons à revenir au Seigneur. Pour ceux-là qui veulent parler, discuter, échanger,
nous sommes disponibles. Nous voulons vraiment cette jeunesse-là délivrée des loisivetés. Nous voulons cette jeunesse-là délivrée de la paresse. Quand vous vous mettez sur la route de PG1 le matin, vous verrez un grand nombre de lycéens du lycée technique qui attendent les voitures personnelles pour profiter d'aller à l'école. Ils n'ont plus la rigueur dans leurs études. Ils n'arrivent plus à se lever tôt le matin pour marcher jusqu'à l'école. Pourtant, c'est pas, ils sont à 45 minutes de l'école. Mais ils veulent se faire transporter. Pourquoi ? La paresse s'est installée. La facilité s'est installée. Et ces choses s'installent derrière la désobéissance, en fait. Parce que quand vous désobéissez aux parents, comment trouveriez-vous la force de faire ce qui est bien ? Parce que dans l'obéissance que vous faites, vous apprenez, vous grandissez en force, vous grandissez en connaissance. Il est important aujourd'hui pour nos petits frères, nos petites sœurs, même grands frères, grandes sœurs qui vont à l'église. Il est important pour vous de revenir au fondement biblique, de revenir à ce que le Seigneur attend de nous. Il est important de revenir parce qu'il faut obéir aux parents. Il faut se soumettre aux parents. Le parent veut du bien de vous. Il veut du bien de moi. Il faut que le parent témoigne de nous. Donc voilà, n'est-ce pas, en quelques mots, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous gagnons en obéissant ? Qu'est-ce que nous gagnons ? En obéissant, vous serez quelqu'un du lendemain. Le lendemain, vous serez un homme fier de l'être parce que vous auriez la loi du Seigneur dans vos cœurs. N'oubliez pas que l'obéissance dont vous faites vient du Seigneur. C'est des instructions que le Seigneur aime. Et ces instructions vous bénira le lendemain. Un enfant déjà qui a du mal à dresser son lit le matin quand il s'élève, qui a du mal à nettoyer la maison, croyez-vous que quand il obtiendra le travail demain, il sera rigoureux dans son travail, il sera discipliné? Non. C'est à la maison qu'on trouve ces caractères-là. C'est à la maison qu'on apprend à être discipliné. Ce n'est pas à l'école que tu apprends à être discipliné, c'est d'abord à la maison. C'est d'abord à la maison vis-à-vis des parents. Un enfant qui est obéissant à ses parents, si vous observez à l'école, il est obéissant. Si vous observez à l'école, il est discipliné. Donc les amis, vraiment, nous vous encourageons à être obéissants. Et nous allons, n'est-ce pas, répondre à la troisième question. Qu'est-ce que cela implique, l'obéissance ? Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment être obéissant ? Parce que là, nous avons vu les différents points sur lesquels les enfants n'obéissent pas aux parents. Nous avons pu voir comment les enfants d'aujourd'hui ne sont plus soumis aux parents. Et nous ne vous condamnons pas. Parce que une grande partie des jeunes le font dans l'ignorance. Donc par la grâce du Seigneur, je vais laisser la parole à mon frère, n'est-ce pas, pour qu'il puisse davantage nous édifier, n'est-ce pas, sur qu'est-ce que cela implique, comment cela est possible d'être obéissant aux parents, comment pouvons-nous faire pour être obéissant selon le Seigneur. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur soit béni pour toutes les paroles qui ont été données par notre frère. Vous pouvez en fait sentir dans le partage que nous voulons parler comme des grands frères, nous voulons parler en fait comme des aînés, parce que on veut partager notre expérience. Et pour montrer qu'on était jeune, qu'on est jeune aussi comme vous, et que c'est possible en fait de craindre le Seigneur étant jeune. Parce que aujourd'hui on voit beaucoup des jeunes qui n'ont pas de repères. Il y a quelques semaines encore, discuté avec des jeunes filles notamment, qui s'habillaient de manière assez légère, donc des sexy. Et quand je discute avec elles sont comme ignorantes en fait de ce qu'elles font. Parce que le modèle qu'elles ont, c'est dans les réseaux sociaux, c'est à la télévision. Et il n'y a plus en fait de modèle. Et on veut partager notre expérience pour dire que vous aurez beaucoup à gagner en fait à servir le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez beaucoup à gagner à vous convertir et à venir au Seigneur Jésus-Christ en fait. Parce que l'obéissance en fait conditionne votre réussite. Il est impossible que quelqu'un, n'est-ce pas, réussisse selon le Seigneur, il faut préciser. Parce que on aspire à avoir une jeunesse différente de celle qu'on voit aujourd'hui. Parce que faites le constat vous-même. Vous allez voir que la jeunesse, c'est telle qui est dans le braquage, dans le vol, dans la tricherie, dans la violence, dans la débauche. Et le Seigneur souffre par rapport à ça. Et ce soir, en fait, à travers nos voix, il vous interpelle, vous. Pour vous dire, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Quelle orientation voulez-vous donner à votre vie, en fait ? C'est très important de vous poser vous-même la question, là. Comment voulez-vous vivre votre vie ? Et je tiens à vous dire qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que c'est possible d'échapper
à tout ce que l'ennemi, en fait, met comme piège pour détruire votre jeunesse. Parce que la jeunesse est une période sensible, en fait, de votre vie. Vous voyez ? Parce que c'est là qu'on fait les choix. Et le Seigneur utilise aussi nos parents, pas aussi. Il utilise beaucoup nos parents pour nous orienter, pour nous montrer le chemin. Parce qu'un enfant, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc vous croyez, vous pensez être grand, mais vous allez commettre vous allez faire de mauvais choix, et plus tard, vous allez regretter. Il y a cet adage dans le monde qui dit « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Parce que vos parents, nos parents en fait, ont eu le temps de faire des erreurs. Et c'est à travers ça, même quand ils ne sont pas convertis, hein, attention, c'est à travers leur expérience qu'ils nous montrent en fait le chemin à suivre. Mais or, aujourd'hui, les jeunes, une fois qu'ils sont dans l'adolescence, ils ne veulent plus écouter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entraînés par les amis, par le monde, par les réseaux sociaux. Et ce soir, en fait, on veut vous interpeller en vous disant qu'on était jeunes comme vous, on était exposés aux mêmes tentations que vous. Vous voyez, mais le Seigneur nous a gardés, en fait, on a fait des erreurs. Mais le Seigneur nous a gardé énormément, en fait, de commettre, en fait, beaucoup d'erreurs. Vous voyez. Je vais lire un passage dans Luc. Luc 2. Luc 2, verset 50. Je vais lire peut-être les versets même avant. Luc 2. Je vais lire 48, hein. Quand ses parents le virent, bon, je vais aller plus haut quand même pour comprendre. Verset 46 peut-être. Or, il arriva que trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa sagesse et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth. Je souligne, et il leur était soumis. Amen. Alléluia. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et devant les hommes. Amen. 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 C'est beau. Vous savez, on a un Seigneur, n'est-ce pas, qui donne l'exemple en fait. Vous voyez, il est devenu homme parce que vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Il a vécu la vie d'enfant. Vous voyez, il a grandi dans un foyer. La Bible précise que Jésus-Christ, enfant, était soumis à ses parents. Donc, ce que sa parole demande de faire, il l'a lui-même d'abord fait. Jésus-Christ, jusqu'à l'âge de 30 ans, était auprès de son père, son père, en fait, dans la chair, notamment Joseph. Il était charpentier. Donc, Jésus-Christ a pris la charpente auprès de son père. Donc, Jésus n'était pas un paresseux. Jésus était un travailleur. Donc il a vu comment son père faisait, comment il accueillait les gens, comment. C'est lui qui a accompagné son père en fait dans les travaux de tous les jours, qui a pris soin de ses parents, parce que après son père va mourir, bon, c'est lui qui va s'occuper du foyer en fait. Donc, Jésus-Christ était enfant soumis à ses parents. C'est pourquoi aujourd'hui sa parole nous demande en fait d'être soumis à nos parents. Vous voyez? Parce que si vous n'êtes pas soumis, ben vous sortez du plan du Seigneur. C'est très important pour comprendre en fait cela. Vous voyez. Et c'est vraiment ce que nous voulons vous dire ce soir, de vraiment en fait suivre le modèle de Jésus-Christ, suivre le bon modèle. Parce que il y a un manque de modèle en fait autour de nous, ce qui fait que la jeunesse se perd. Nous aspirons à avoir une jeunesse, n'est-ce pas, mature, une jeunesse qui craint le Seigneur, qui honore ses parents, une jeunesse qui sort en fait de la délinquance. Vous savez, là où les hommes ont échoué, n'est-ce pas, de nous mettre sur le droit chemin, vous voyez, nous venons ce soir vous rappeler que c'est possible de marcher en tant que jeune modèle. C'est pourquoi nous disons jeunesse selon le Seigneur, jeunesse selon le Seigneur. Et c'est très important, en fait, parce que on va encore lire notre passage avant d'aborder vraiment le point. On va lire notre passage dans
dans Jérémie 29, je crois. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit ceci, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mettez-vous ici par jeunesse, par vous-même. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. C'est très important. Très fort. Et ici, c'est le Seigneur qui parle et il dit, il connaît les projets qu'il a pour nous, pour vous, pour moi. Ce sont des projets de quoi? De paix et non de malheur. Le Seigneur a des projets et des plans pour toi. C'est très important, frère, vous qui nous suivez depuis chez vous. Parce que, vous savez, la volonté de Dieu peut échouer dans votre vie. Pourquoi? Parce que si vous ne coopérez pas, si vous n'obéissez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous passez à côté des plans que le Seigneur a prévus pour vous. C'est pourquoi, en fait, on dit souvent que la vieillesse est le temps pour beaucoup de regrets. Au contraire, la vieillesse doit être le temps où vous récoltez ce que vous avez semé dans le jeûne. Amen. Et pour semer, en fait, la bonne semence, pour semer, en fait, c'est-à-dire les choix que vous faites, ben, il faut vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Il faut rentrer dans les plans. L'obéissance vous emmènera à rentrer dans les projets du Seigneur. Parce que c'est comme, en fait, c'est comme des intentions que le Seigneur a pour vous. Vous voyez? Mais si vous n'obéissez pas au Seigneur Jésus-Christ, ben, malheureusement pour vous, vous allez passer à côté. Vous allez faire une somme de mauvais choix et plus tard, vous allez regretter cela. Vous allez dire, si je savais, ben, aujourd'hui, il prend la peine de vous avertir. Il prend la peine à travers nous de vous avertir pour vous dire, faites le bon choix. Faites le bon choix en Jésus-Christ. Obéissez à vos parents, vous voyez, obéissez à vos enseignants, obéissez aux autorités. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, ben vous êtes en dehors de la volonté du Seigneur pour vous. C'est très important de comprendre ça. Et autant Jésus-Christ a des plans pour vous, autant le diable a aussi des plans pour vous. Ah oui. Donc il y a une discussion qui y a en fait autour de votre personne, si vous ignorez ça, entre le Seigneur et le diable. Quand vous voyez des jeunes qui sont dans la drogue, dans la délinquance, vous voyez les filles qui avortent, qui couchent avec des hommes n'importe comment, je vous assure que ce n'est pas la volonté du Seigneur pour eux. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est la volonté du diable pour eux et ils sont en train de choisir. Donc ils désobéissent à Dieu. Quand vous désobéissez à Dieu, ça veut dire que vous obéissez au diable. C'est aussi simple que ça. Quand vous désobéissez au Seigneur, vous obéissez au diable. Et donc vous êtes en train, n'est-ce pas, de concrétiser, je vais y arriver, les plans que le diable a pour vous. C'est pourquoi vous voyez que votre vie ne marche pas, vous êtes là, vous voyez des jeunes, mais ils sont tellement, n'est-ce pas, déformés à cause de la vie du monde. Ça pèse sur eux. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Aujourd'hui, Christ, à travers nous, à travers mon frère et moi, vous interpelle, t'interpelle, mon frère. Attention, attention, Jésus a des plans pour toi. Le seul qui peut emmener à échouer ses plans, qui peut en fait avorter ses plans, ben c'est toi. Vous savez, on parle d'obéissance, ça veut dire que l'homme a le libre arbitre. Amen. L'homme, en fait, étant jeune, parce qu'effectivement, on est jeune, on a une seule vie, c'est vrai. Mais fais attention au choix que tu fais. Le Seigneur, en fait, devant toi, il te présente en fait le chemin que tu dois suivre. Et je tiens à te dire ou te rappeler que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Ouais. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Alors, comment faire pour répondre vraiment à la question? Comment faire pour pouvoir en fait vivre une vie selon le Seigneur en fait? Qu'est-ce que ça implique de pouvoir vraiment y arriver quoi? Être ce jeune-là que le Seigneur attend de nous. Ben, j'ai deux passages. J'ai le premier dans Daniel. Daniel 1. Daniel 1, je crois, verset 8. Attends, je vais retrouver le passage. La Bible est compliquée là. Daniel 1. Daniel 1, verset 8.
Daniel 1, verset 8. La Bible dit, or Daniel résolu, je souligne le mot résolu, dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous parle ici du prophète Daniel qui va résoudre dans son cœur. Vous voyez, Daniel en fait c'est un prophète, donc c'est un Israélite qui va être déporté. Il va être emmené captif comme prisonnier dans un autre pays. Donc à cause de la désobéissance justement des pères de Daniel, vous voyez, des anciens d'Israël, ben le Seigneur en fait va juger, parce que la désobéissance amène le jugement. Le Seigneur va juger toute une nation pour la détruire. Et ils vont être faits captifs. Daniel faisait partie des captifs qui vont être portés vers Babylone, le pays qui va en fait les dominer sur eux. Et là, on va proposer à Daniel en fait de se souiller. Et c'est comme ça que le monde nous propose de nous souiller. Vous voyez, ça passe comment? Ben par un ami, par une suggestion, par un groupe. Ça commence toujours comme ça. Comment on apprend à fumer? Ben un jour, les amis vont te dire, non, mais tiens, prends ça, ça ne fait rien et tout. Le péché commence toujours un peu. Et quand on rentre dedans, il est difficile de sortir. Vous voyez, les gens aujourd'hui sont esclaves de la cigarette, esclaves de la débauche. Mais ça commençait comment? Ben, ça commençait simplement, comme une blague. Il voulait faire plaisir à ses amis, il voulait faire plaisir à ses camarades, ben il a commencé. Après, il est devenu esclave. Et c'est comme ça que le diable en fait pour entraîner les gens dans la souillure. Ici, on va proposer à Daniel un certain type en fait de mets. En fait, la Bible a deux manières en fait d'être interprétée. Donc il y a une manière en fait littérale, mais aussi une manière allégorique. Ici, on fait savoir que on va proposer, donc étant dans le territoire de Babylone, on va proposer à Daniel de se souiller. De se souiller. Or, Daniel, en fait, ne veut pas se souiller parce qu'il veut plaire à Dieu. Parce que Daniel, en fait, veut, n'est-ce pas, rester dans l'intégrité. Qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit qu'il va résoudre. C'est-à-dire que ce que les hommes ne voyaient pas. Mais dans son cœur, Daniel va refuser de se souiller, de se compromettre, de s'aligner à ce que le monde autour de lui, en fait, est en train de faire. Et je tiens à vous dire hein, que ils sont rares ceux qui vont accepter, n'est-ce pas, ceux qui vont en fait se disposer, n'est-ce pas, à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont rares. Et Daniel fait partie de cette minorité-là. Et moi, je vous encourage, vous frères, vous ceux qui nous suivez depuis chez vous, à faire partie de la minorité qui décide, n'est-ce pas, qui décide de ne pas se souiller. C'est une ferme résolution, en fait, que Daniel va prendre ici. Comment il va faire? Ça implique un effort. Et si ce n'est pas d'une ferme résolution, parce que ce sera difficile. Je tiens à vous dire, frère, ou vous qui nous suivez, petit frère, petite soeur, qui nous suivez depuis chez vous, que ce ne sera pas facile. Ce sera très, très difficile. Très, très difficile. Mais parce que Daniel était résolu, parce que Daniel voulait garder la parole du Seigneur, parce que Daniel voulait, n'est-ce pas, rester intègre, marcher dans la sainteté, craindre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans son cœur? Mais quand tu pries dans ton cœur, quand tu veux vraiment plaire au Seigneur, Dieu le voit. Dieu voit ce que la Bible dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour voir ceux qui d'un cœur sincère l'invoquent. Vous avez essayé certainement en fait d'être un enfant correct, vous n'avez pas réussi. C'est parce que vous êtes appuyé sur votre propre force et parce que vous n'avez pas été aussi résolu que Daniel. Parce que c'est en étant résolu, en priant le Seigneur Jésus-Christ, que la force vous est donnée en fait. Vous voyez ici, la Bible dit que par le verset 9, et Dieu fit trouver grâce. Donc le Seigneur va accompagner, n'est-ce pas, la résolution de Daniel. Il prend une résolution de ne pas être un jeune délinquant, de ne pas être un jeune qui triche à l'école, de ne pas être un jeune qui désobéit à ses parents, un jeune esclave de la cigarette, un jeune en fait. Vraiment, Daniel voulait être à part. Et c'est ça le message, mes petits frères. Être un jeune à part qui réjouisse ses parents, qui réjouisse la nation. Parce Amen. Que la nation compte sur nous. C'est, la jeunesse est la relève d'une nation. C'est pourquoi le diable, n'est-ce pas, attaque la jeunesse. Parce que si l'expérience démontre que lorsque, n'est-ce pas, la jeunesse est désorientée, en fait, il est difficile de la rattraper plus tard. Ce n'est pas impossible, mais il est difficile. Donc c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. C'est maintenant qu'il faut se convertir. C'est maintenant qu'il faut devenir à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous encourageons, petits frères, petites sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous,
Quand vous avez cette résolution-là, cette décision-là, ben le Seigneur vous accompagne en fait dans cela. Il vient en fait comme pour poser un sceau, pour dire qu'il approuve. Parce que c'est ce que Dieu attend de vous. Que vous soyez ferme. Donc même si les amis, n'est-ce pas, se moquent de vous, même si les camarades au quartier, on se moque de vous, vous voyez, on vous dit non, il ne vit pas sa jeunesse. Ça, ce sont des mensonges du diable, je vous assure. On était confrontés à ça. Lorsqu'on voulait suivre le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on s'est converti, moi je me suis converti jeune, vous voyez, et il y avait la moquerie autour. Il y avait en fait des mauvaises paroles qu'on lançait. Derrière ces paroles-là, c'est le diable qui se cache. Tu veux montrer quoi? Tu veux, oh, tu ne profites pas de la jeunesse, oh, il faut avoir des copines, oh, il faut. Ils n'étudient pas en classe, ils ont du mal à avoir des bonnes notes. Ils ont des copines, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont avec les copines, après ils ont du mal à étudier. Et après, il faut chercher à faire des avortements. Après, il est jeune, il n'a même pas encore 25, mais il a 3 enfants. Et vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas en fait réussir si vous ne vous disciplinez pas, si vous ne savez, vous n'êtes pas résolu comme Daniel. Et à cette résolution-là, n'est-ce pas, la Bible dit en fait, s'en suivra le succès. Ouais, c'est très important. C'est très très important, frères et sœurs. Le deuxième passage en fait, c'est dans Psaume. Deuxième passage. Le Psaume 109. 119, j'allais dire. C'est bon, j'y suis. La Bible dit 119, verset 9. Par 119, verset 9. Non, psaume 119, verset 9. Ok, merci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Gloire au Seigneur. Amen. Par quel moyen? Donc, si vous cherchez un moyen, jeune homme, de plaire au Seigneur, ou bien de pouvoir en fait emprunter le bon chemin, vous voyez, de pouvoir être un jeune, n'est-ce pas, un jeune modèle en fait, un jeune à part, comment faire? Ben, c'est pas la parole du Seigneur. C'est pas la parole du Seigneur. C'est important d'avoir cette parole dans son cœur, d'être enseigné, de lire la parole et de la garder dans son cœur. Parce que c'est à travers la parole, la Bible dit que sa parole est comme une lampe à nos pieds. Donc beaucoup de jeunes ne savent pas où ils mettent le pied. Et on a dit que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Moi, je n'ai pas envie de dire ça. Parce que parfois, les conséquences, vous avez des conséquences irréversibles. Irréparables. Parce que si vous êtes jeune, on vous dit non, n'allez pas avec toutes les femmes. Vous avez le VIH. Ah, je plains votre sort. Voici les conséquences, mais ça vous aurait conseillé, mais il est trop tard. On vous dit, jeune fille, garde ton corps pur, ne va pas coucher avec n'importe quel homme. Voilà, tu vas, et puis une grossesse indésirable, voilà maintenant que tes parents te mettent dehors. Mais tu vas subir les conséquences, mais malheureusement pour toi, ce sera lourd sur toi. Beaucoup de jeunes filles ont été chassées de famille, du foyer maternel, paternel, parce qu'elles n'ont pas écouté. Et les conséquences, c'est qu'elles ont raté leur vie. Les conséquences, c'est qu'elles ont arrêté les études. C'est que le Seigneur ne voulait pas. Donc, il faut garder la parole du Seigneur, en fait. Et la parole du Seigneur te donnera de l'intelligence, de la sagesse pour pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir, en fait, marcher sur le droit chemin. Parce que le diable, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il nous emmène, en fait, dans les ténèbres? Oh, la parole du Seigneur est la lumière. Donc, vous êtes là, vous ne savez pas, en fait, quel est le bon choix pour vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et quand vous allez méditer la parole du Seigneur Jésus-Christ, ben, elle va vous éclairer et elle vous emmènera à savoir où vous mettez le pied. À comprendre en fait, n'est-ce pas, que derrière un ami qui vous suggère ceci, derrière tel événement, ben, c'est le diable qui est derrière. Lisez la parole du Seigneur, méditez-la vous-même. Vous savez, les jeunes qui vont à l'église, qui sont à la chorale, ils ne lisent jamais la parole de Dieu. J'ai envie de dire que vous avez des problèmes dans votre foi. Et que vous devez vraiment revenir au Seigneur Jésus-Christ. Lisez la parole, méditez-la, dévorez-la. Voyez, elle vous donnera de l'intelligence, elle vous donnera une maturité, elle vous donnera en fait une grandeur, en fait, du discernement en fait, du discernement devant les événements de votre vie. Vous saurez ce que le Seigneur attend de vous, parce que vous êtes là, vous êtes ignorant, vous ne savez pas ce que le Seigneur attend de vous exactement.
Alors que si vous lisez la Bible, vous allez par exemple dans 1 Thessaloniciens 4, elle dit que ce que Dieu attend de vous, donc il y a des attentes du Seigneur vis-à-vis de vous. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, ben vous êtes en fait nourri, enseigné, vous êtes éclairé, quoi. Donc c'est vraiment ce que je veux dire. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Donc c'est un peu ça. Et je vais aborder un autre aspect. Je vais lire dans un passage dans Lamentations 3. J'ai trouvé le passage. Lamentations 3. La Bible dit ceci. Lamentations 3, verset 27. Voilà. Lamentations 3, verset 27. La Bible dit ceci. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Alléluia. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ici, c'est le prophète Jérémie qui parle toujours et il nous conseille en tant que jeune de porter le joug pendant sa jeunesse, pendant qu'on est encore jeune. Parce que dans Jérémie 1, le Seigneur va appeler Jérémie étant jeune. Vous voyez, le Seigneur aime appeler étant jeune. C'est quand on est jeune que le Seigneur s'intéresse à nous. Déjà depuis le sein de notre mère, le Seigneur en fait s'intéresse à nous, a des regards sur nous. Parce que en fait, il nous a créés pour l'adorer, pour le servir. Ils appelaient en fait pour faire de grandes et belles choses sur cette terre en fait. Vous voyez. Et Jérémie a été appelé jeune et il nous dit ici que il est bon pour l'homme de porter le joug pendant sa jeunesse. Ça veut dire il y a deux types de joug. Il y a le joug du péché, n'est-ce pas? Et il y a le joug du Seigneur. Je te pose la question ce soir, mon frère, ma sœur, vous qui nous suivez depuis chez vous, quel joug veux-tu porter? C'est un choix. Quel joug veux-tu porter? Jérémie dit ici qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, c'est bien sûr le joug du Seigneur. C'est le joug de Jésus-Christ qu'il est bon de porter dans sa jeunesse. Parce que le joug du péché, le joug du diable pèse lourd sur la vie de l'être humain. Je vous invite à aller voir ces jeunes-là, ces hommes-là en fait, qui n'ont pas voulu écouter quand ils étaient jeunes, quand on leur parlait. Où sont-ils aujourd'hui? Vous voyez une jeune fille qui ne travaille pas, elle a 4 enfants avec 4 pères différents. Vous voyez combien de fois c'est difficile pour elle et pour ses enfants. Vous voyez ce jeune-là, en fait, qui a passé du temps, n'est-ce pas? Il a refusé d'étudier, il est dans la paresse, dans la délinquance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Ben, sa vie est difficile. Ben, il est obligé de s'abandonner au braquage, d'accuser les parents, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il a refusé le joug du Seigneur. Et ce soir, en fait, je veux te dire, quel joug veux-tu porter? Parce que Jérémie dit, le joug qu'il est bon de porter, c'est le joug du Seigneur. C'est le joug de Jésus-Christ que je te propose ce soir. Parce que le joug du péché, certes, le joug du péché, n'est-ce pas, est long à se manifester. Parce que les conséquences du péché vont se manifester après. Le péché est bon, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais demain, les conséquences seront lourdes. Les conséquences seront difficiles à porter. Et beaucoup se disent, j'ai gâché ma jeunesse, si je savais. Malheureusement pour vous, je ne vous le souhaite pas, mais mes frères, mes sœurs, d'attendre ce temps-là, en fait, pour regretter. Vous avez encore votre jeunesse et décidez, en fait, de ce que vous voulez faire, en fait, de bon avec cette jeunesse-là. Je vais lire un dernier passage dans Matthieu. Matthieu 11.
Matthieu 11. Verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Jeunesse, jeunes frères, jeunes sœurs, vous qui nous écoutez depuis chez vous. Voici, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous savez, la parole du Seigneur a un but préventif. C'est-à-dire que Jésus-Christ veut prévenir le mal, le malheur qui vous attend. C'est pourquoi il annonce sa parole. Mais elle a aussi un but curatif, c'est-à-dire pour venir corriger, redresser ce qui a été tordu. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour vous, la deuxième option. Moi, je souhaite pour vous la première option, c'est-à-dire porter le joug, comme a dit Jérémie, pendant que vous êtes jeune. Cela vous évitera de faire beaucoup d'erreurs et d'avancer droit sur le plan que le Seigneur a pour vous. Il dit, portez mon joug, parce que son joug est léger. Ah oui, je vous assure que, étant jeune, pour moi, ça a été la meilleure chose que je puisse faire de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas mon frère qui me dira le contraire ici. Que venir à Jésus, porter son joug, suivre en fait, le joug c'est quoi? Ben c'est les commandements du Seigneur. Et Jean dira quoi? Que ces commandements ne sont pas pénibles. Si un jeune chrétien, n'est-ce pas, vous dit que les commandements du Seigneur sont difficiles, c'est qu'il n'est pas encore converti. C'est qu'il doit venir au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, venez à moi. Vous venez d'abord, ensuite, il vous donnera la capacité, n'est-ce pas, de porter ce joug-là. Il dit, il est humble. Jésus-Christ est un bon maître. Il est un bon conducteur. C'est le bon berger. Je vous le conseille, frère. Parce que derrière le joug, se trouve un maître, en fait. Derrière le péché, se trouve le diable. Et le diable, n'est-ce pas, c'est celui qui tient la majorité des gens. Et moi, je ne vous le conseille pas parce qu'il va vous rendre la vie difficile. Dans le Seigneur Jésus-Christ, il y aura des combats, il y aura des difficultés, mais par sa grâce, il me donnera la capacité de les surmonter tous. Et c'est ce que je veux vous dire ce soir. Ce sont mes paroles de conclusion. C'est que portez le joug du Seigneur maintenant, pendant que vous êtes jeune. Le Seigneur, en fait, va vous faire rentrer dans son plan et il va vous révéler ses desseins pour vous, voyez. Il va vous garder de la corruption qu'il y a dans ce monde, des mauvaises choses. Il vous gardera, en fait, de cela. Il va vous porter, voyez. Et c'est seulement Jésus-Christ, quoi. Je vous le conseille. Que le Seigneur soit béni. Je ne m'arrête pas là. Amen, mon frère. Nous bénissons le Seigneur pour ce que vous et moi, nous avons écouté et nous sommes vraiment encouragés. Et vous qui nous regardez, vous qui nous suivez, petits frères, petites sœurs, si vous vous reconnaissez dans ces choses, nous vous conseillons simplement, n'est-ce pas, de vous repentir et de demander, n'est-ce pas, l'aide au Seigneur. Nous croyons que vous avez agi pour la plupart par ignorance, vous avez agi pour la plupart sans connaissance de cause. Nous vous encourageons, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour vous condamner une fois de plus. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, mais pour vous encourager. Parce que nous sommes passés par là, nous étions jeunes et nous continuons à grandir et apprendre du Seigneur. Et nous ne pouvons que vous dire les bienfaits que le Seigneur a fait dans nos vies. Pour beaucoup d'entre nous, quand vous écouterez par la grâce de Dieu les témoignages, vous verrez que nous avons fait beaucoup de choses auxquelles le Seigneur n'a pas pris plaisir, mais par sa grâce, n'est-ce pas? Il nous a rattrapés. Donc, si tu te sens interpellé, si tu te sens concerné, nous t'invitons, n'est-ce pas, à te repentir sincèrement devant le Seigneur, à demander pardon pour cette mauvaise vie et demander de l'aide au Seigneur. Et comme la Bible le dit, il est prompt à réagir. Nous vous invitons à mettre le Seigneur à l'épreuve, à vous repentir, à l'appeler dans vos vies. Vous verrez que son joug, comme le frère l'a dit, est léger. Vous vous sentirez léger, vous vous sentirez libre. Parce que le péché, n'est-ce pas, nous enchaîne. Le péché nous empêche de vivre la vie dont le Seigneur a préparé pour nous. Donc, nous allons terminer par là. Et, n'est-ce pas, nous vous interpellons, nous vous supplions de venir au Seigneur.
Que le Seigneur, n'est-ce pas, mon frère, soit béni. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous, par la grâce de Dieu, nous espérons être là jeudi prochain, dès 19h, pour s'encourager, pour partager, pour, n'est-ce pas, s'édifier. Parce que nous réalisons que cette ville a besoin que les jeunes changent. Cette ville a besoin que les jeunes s'attachent au Seigneur. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Amen.